Les profondes transformations que subit la société québécoise dans les années 60 ont d'importantes conséquences sur la vie des femmes. Même si elles sont toujours assignées à leur rôle de mère et d'épouse, les femmes sont de plus en plus nombreuses sur le marché du travail et elles sont de plus en plus scolarisées. Durant les décennies 60 et 70, un mouvement féministe fort et structuré prend place au Québec, à l'image de ce qu'on observe aux quatre coins du monde. Cette prise de conscience collective mène des milliers de femmes à s'organiser. La tâche n'est pas simple. En plus des lois qui sont difficiles à changer, l'Église et les milieux conservateurs s'opposent à plusieurs des revendications féministes. En 1966, Thérèse Casgrain fonde une des premières grandes organisations féministes, la Fédération des femmes du Québec. D'autres organisations plus militantes sont mises en place par la suite, comme le Front de libération des femmes du Québec. Des organisations qui représentent des groupes minoritaires, comme les femmes autochtones du Québec ou le Congrès national des femmes noires du Canada, voient aussi le jour. Malgré la pluralité du mouvement féministe, leurs principales luttes sont l'accès à la contraception et à l'avortement, la mise en place d'un congé parental, la création d'un système de garderie publique, l'accès à tous les types d'emplois et à l'ensemble des formations universitaires, l'équité salariale, la criminalisation du viol conjugal et la lutte contre la violence faite aux femmes. Les féministes souhaitent mettre fin aux stéréotypes qui leur sont associés, dont celui qui suppose que les femmes sont les reines du foyer puis qu'elles doivent assurer les tâches ménagères et l'éducation des enfants. Pour ce faire, les féministes revendiquent le droit d'être égales à l'homme. Marie-Claire Kirkland-Cosgrain, première femme députée, pilote le projet de loi sur la capacité juridique de la femme mariée qui permet notamment aux femmes d'ouvrir leur propre compte de banque sans avoir besoin de l'autorisation de leur mari. Aussi, les femmes sont de plus en plus nombreuses sur le marché du travail, ce qui leur donne une plus grande liberté économique et peuvent encaisser leur salaire. Sur ce plan, cependant, elles occupent encore des métiers traditionnels féminins et doivent encore revendiquer un salaire égal à celui des hommes. Les féministes revendiquent également le contrôle de leur corps. Il faut rappeler qu'au début des années 60, l'usage de la pilule contraceptive et la pratique de l'avortement sont considérés comme des actes criminels. Les associations féministes luttent pour que les femmes puissent décider combien d'enfants elles auront et quand elles les auront, ce qui permet entre autres à certaines femmes de prioriser leur carrière. C'est juste en 1969 que le gouvernement fédéral légalise la pilule contraceptive puis amorce la décriminalisation de l'avortement. Puisque l'avortement reste illégal dans la majorité des cas, la légalisation de cette pratique demeure une des revendications Principale du mouvement féministe jusque dans les années 1980. Grâce à leur mobilisation, les féministes québécoises sont parvenues à améliorer notamment leur statut juridique, leur place sur le marché du travail et leur accès à l'éducation supérieure. À la fin des années 70, plusieurs combats restent à mener comme l'équité salariale ou la mise en place d'un congé parental universel. Dans les décennies qui suivent, la lutte contre la violence faite aux femmes va être l'un des combats importants menés par le mouvement féministe. La persistance de la violence conjugale et des tragédies comme le meurtre de 14 femmes à la Polytechnique en 1989 rendent cette lutte encore nécessaire.